Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est lundi, j'ouvre au chat. Je ne sais pas par où prendre le téléphone pour que vous me voyez bien. Il fait un temps magnifique, mais il fait très 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 chaud aujourd'hui. Ils ont prévu 37 degrés. Donc là j'ai fermé tous les volets du côté des chambres pour pas crever cette nuit. Et parce que j'ai très très mal, j'ai dû dormir 4 heures cette nuit à cause de la chaleur. En fait, j'arrivais pas à m'endormir, ça m'énervait. J'ai fini par petite astuce de moi quand on vit dans le sud et qu'on a très très chaud. Soit vous prenez un de vos t-shirts propres qui est dans la machine à laver, qui vient d'être essoré et qui n'est pas encore sec, et vous le mettez pour dormir. Donc le temps que l'eau s'évapore, ça vous permet de vous endormir. Soit vous prenez votre t-shirt, vous le mouillez et vous l'essorez très très bien et vous dormez avec. C'est la seule façon que j'ai trouvé de m'endormir quand j'ai vraiment trop trop chaud, c'est vraiment de mettre un t-shirt mouillé. Quitte à mettre même carrément tout le pyjama mouillé, le short, le t-shirt, etc. Et voilà, parce qu'autrement, impossible de m'endormir. Enfin, et puis plus on bouge, plus on s'énerve, plus moins on s'endort. Et voilà, donc que vous dire, je me suis pesée hier et mauvaise surprise, j'ai pris 200 grammes, mais bon ça c'est pas grave, je suis sûre que en continuant ça va le faire, parce que je suis pas découragée. Et j'ai trouvé mon nouveau meilleur ami, je vous en avais parlé dans mon dernier vlog, c'est ce cerceau là pour faire que j'ai trouvé chez Action pour faire du hula hoop qui est lesté. Il fait 1,2 kg, il est lesté et en plus je sais pas si vous verrez mais tout le long du cerceau vous avez des petits renfoncements comme ça et en fait ça vous masse le gras et autant vous dire que ça fait pas du bien mais ça doit être hyper efficace. Je pense que j'essaierai de vous mettre des photos au fur et à mesure sur mon Facebook, sur mon Instagram ou sur un de mes réseaux pour que vous voyez l'évolution. Alors je pense que je vais attendre 2 semaines quand même. J'ai commencé samedi, donc toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je vous mettrai un update. Ensuite, que vous dire? Bah écoutez, c'est à peu près tout. J'ai ouvert mon bijou My Jolly Candle et je le trouve trop cute. Il est trop mignon, je l'adore. Donc j'ai eu ça dans la bougie. Ce que je vous disais, c'est que effectivement, c'est un bijou en argent certifié et en cristaux de Swarovski. Il est trop trop mignon. Je l'adore. Je l'adore et je pense que je vais en recommander d'autres. Et si vous voulez, je vous remets le code là, mais je crois que vous avez moins 15% avec un code. Alors je ne me rappelle plus le code. Je vous le mettrai là si je le trouve. Vous avez moins 15% sur les bougies My Jolly Candle. Donc ça c'est cool et c'est franchement des très bonnes bougies. Et moi j'adore le concept. Donc voilà. Ensuite, bah écoutez, moi je vais partir au travail. Je vais pas me faire de smoothie aujourd'hui parce que j'ai pas faim. Avec la chaleur, honnêtement, j'ai pas faim. Je vais peut-être me prendre une petite bouteille d'eau, mais c'est à peu près tout. Et voilà, donc je finis à 13h. J'aurai pas le temps d'aller faire des courses ou d'aller acheter quoi que ce soit. Alors, par contre, les animaux souffrent énormément de la chaleur, surtout Sydney qui est vieille. Et même le cochon d'Inde a passé son temps allongé sur le ventre toute l'après-midi hier. Il risque. Moi, je pense que je vais tout fermer aujourd'hui pour pas être embêtée. Donc voilà, donc je pars au boulot et je vous fais des bisous et on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite du vlog. Bye bye! Hello tout le monde, on est mardi et donc je vous tourne un petit vlog. Il est exactement 3h de l'après-midi. Je viens de finir le montage de ma dernière vidéo. C'est en train pas uploader parce que c'est pas sur YouTube, mais c'est en train de se transformer en vidéo, quoi. Voilà, le montage est terminé. Si vous saviez toutes les étapes qu'il y a quand on est youtubeuse, ça prend beaucoup beaucoup de temps. Donc il fait un temps magnifique, mais il fait extrêmement chaud. J'ai vraiment bien dormi cette nuit parce que mon mari a mis la clim, mais il fait très 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 chaud. J'espère que ça ira pour les enfants. D'ailleurs, Milan devait avoir une sortie jeudi, mais apparemment, ça serait annulé parce qu'on est en alerte canicule au moins jusqu'à jeudi. J'ai mon mascara du coup qui se fait la malle. Je voulais vous dire que j'ai été chez Action parce que j'ai été acheter un hula hoop de sport pour ma mère. Parce que moi, je le fais tous les jours et ce truc est juste génial. Si vous avez l'occasion d'aller dans vos Actions et de trouver un hula hoop de sport, franchement, foncez parce qu'ils sont vraiment vachement bien. En fait, le hula hoop est lesté et vous avez à l'intérieur des renfoncements qui font que ça masse la graisse, la vilaine graisse de vos bidous. Donc du coup, moi, je vais le faire
régulièrement. Je pense que je vous mettrai des photos sur Instagram. Je vous mettrai le nom de mon Instagram juste là. Donc, du coup, je fais ça tous les jours et ma maman m'a demandé d'en acheter un. Donc, je suis partie en acheter un, mais il n'en restait plus que deux. Donc, faites attention si vous voulez vraiment en avoir un, courez dans votre Action si vous en avez un près de chez vous. Parce que, voilà, si vous avez des petits problèmes de poignée d'amour, comme moi, et ben ça vaut vachement le coup. Ensuite, donc j'ai été donc chez Action, je me suis acheté des plats pour faire des gâteaux, même si les gâteaux c'est pas pour moi en ce moment. J'ai acheté quoi autrement? Et puis après, je suis allée chez Lidl pour acheter des fruits parce que je trouve que les fruits chez Lidl sont très très bons. Donc du coup, je suis allée acheter des fruits chez Lidl, je suis rentrée et je me suis mise à la maison parce qu'il fait trop trop chaud dehors. Je suis juste partie mettre le linge à sécher. Le temps que je finisse d'étendre le linge, les premières pièces que j'avais posées étaient déjà sèches. Donc, imaginez la chaleur. En fait, on se croirait dans un sèche-linge. Voilà, c'est comme si je mettais ma tête dans mon sèche-linge. Voilà, ou devant un sèche-cheveux, vous savez, parce qu'en plus, il y a du vent, mais il est extrêmement chaud, quoi. Donc, j'ai vraiment l'impression d'être devant un radiateur souffleur ou un sèche-linge ou tout ce que vous voulez qui chauffe. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Bon, et regardez pas ma tête, hein, parce que quand il fait chaud comme ça, autant vous dire que le maquillage ne tient pas. J'ai même pas mis de rouge à lèvres ce matin. J'ai pas trop envie de me maquiller, bien que sur les yeux, j'ai fait un effort, mais j'ai pas trop envie de me maquiller. Bah sinon, c'est à peu près tout ce que je voulais vous raconter pour aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, je crois que c'est tout. De toute façon, si j'ai d'autres choses à vous raconter, je vous les raconte au fur et à mesure de la semaine. J'espère que ce style de vlog vous plaît. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aimez les vlogs de semaine, entre guillemets. Parce qu'un vlog par jour, j'aurais quasiment rien à vous dire. Donc voilà. Je voulais aussi vous dire que ça va vachement mieux au niveau de la fatigue. Je dors mieux, je suis moins fatiguée. Ben, je pense que c'est parce que je prends des compléments alimentaires, sinon je serais complètement HS. C'est les compléments alimentaires dont je vous parlais dans mon vlog précédent. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, enfin pas en barre d'infos, en fin de vidéo. Comme ça, vous aurez plus qu'à cliquer dessus. Et voilà, donc ça va vachement mieux avec la spiruline, le curcuma, etc. Ça va vachement mieux. J'ai moins mal au dos. Et voilà, tout va bien en ce moment. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui, je pense, et je vous retrouve demain. C'est la journée des enfants. On va voir comment ça se passe parce qu'il va falloir les occuper avec la chaleur qu'il fait. C'est pas gagné quoi, l'histoire. Voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. On va vloguer. Alors, on est mercredi, il fait super chaud, il fait 34 degrés. Et on est l'été. Ouais. On est l'été. Et là, on va aller faire un tour dans un supermarché, tout simplement parce qu'il y a la clim et qu'on ne peut pas être embêté avec la chaleur. Donc là, on est dans la voiture, on a mis la clim à fond. Ouais, à fond. Donc, ouais, ça... à fond. Ouais. C'est pas un live, mon loulou. C'est quoi? C'est pour le vlog. C'est les vidéos qu'elle met en ligne, maman, tous les dimanches. Et donc on espère trouver pour Nougat une cage pour mettre à l'extérieur pour qu'elle puisse aller dans le jardin tranquillement. On va essayer de voir aussi si on trouve de la peinture à paillettes pour la chambre d'Isalis. Hein. Et donc on va aller à Brico Dépôt, je pense. Et après on ira peut-être manger un petit goûter au Flunch. Flunch. Pourquoi? Flunch. Flunch. Donc on va manger une glace. Bah ouais, il fait chaud. Hein. Enfin bon voilà, donc on est dans la voiture. Et là il y a des travaux, super. Bah, j'aurais dû passer par l'autre côté, quelle couchette. Donc on se retrouve un petit peu plus tard pour vous dire si on a trouvé ce qu'on voulait. Voilà. Hello tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi, il fait encore un temps magnifique, il est 8h55 et il fait 22 degrés. Donc, point météo du jour!
Alors, aujourd'hui, ben écoutez, pas grand chose à part que je vais chez Lidl en rentrant du travail parce qu'il y a des petites choses qui m'intéressent vraiment, vraiment. Alors, j'espère que ça va pas trop bouger parce que j'ai acheté un support chez Action pour mettre sur ma vitre et j'ai l'impression que ça. Mais c'est peut-être la route qui est pas bonne non plus. Donc, il y a des maillots de bain, il y a plein de choses qui m'intéressent chez Lidl aujourd'hui. Donc, je vais aller faire un tour après le travail. Je finis à midi, donc je vais aller faire un tour. Sinon, ce matin, petit moment triste du matin, rentrant de l'école pour aller emmener les enfants à l'école. En rentrant, et bien dans ma rue, il y avait un petit écureuil sur la route. Il était au milieu de la route, je suis allée le voir s'il était encore vivant, on ne sait jamais. Enfin, c'est vrai que moi, après, si je l'avais laissé et que j'avais pas été le voir, ben, j'aurais culpabilisé. Je me serais dit, bon, voilà. Mais malheureusement, le petit bout, il était mort. Il s'était fait shooter par une voiture. Donc, du coup, je l'ai pris et je l'ai mis sur le côté de la route pour pas qu'il se fasse encore plus écraser. Je trouve ça tellement moche, un animal. Voilà, tant que je peux le faire. C'est pas plus mal et voilà, donc petit moment triste pour moi, j'aime pas du tout ça. C'est vrai que j'habite dans une rue où normalement on doit rouler à 50, mais c'est pas du tout le cas. Donc y a des animaux qui se font shooter. Et ces petits écureuils sont tellement mignons que ça fait mal au cœur quand on les retrouve mal en point. Voilà, donc sinon, que vous dire à part qu'il fait extrêmement chaud, heureusement qu'on a la clim dans la maison. Vous savez, une clim mobile, comme ça on peut dormir à peu près bien, mais autrement c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas de climatisation franchement ou pas de ventilateur, je vous plains parce qu'il fait une chaleur à crever et la nuit pour dormir quand il fait très chaud comme ça, c'est super dur. Normalement à partir de demain ça se calme au niveau des températures, donc c'est pas plus mal. Voilà, voilà, donc je vais vous retrouver tout à l'heure après mes cours chez Lidl pour vous montrer ce que j'ai trouvé. J'espère que je vais trouver le maillot de bain que j'avais repéré parce qu'en général quand c'est bien ça part très très vite. Et voilà, donc je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous montrer mes achats. Alors voilà, je suis revenue de chez Lidl et j'ai acheté donc deux maillots de bain, un deux pièces et un une pièce. Et je vais les ramener parce que tout simplement ce qui se passe c'est que c'est beaucoup trop petit. J'ai pris un 38, 38, c'est la taille que je fais d'habitude, donc j'ai pris 38 partout et c'est beaucoup 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 trop petit. Alors autant vous dire que là j'ai les seins qui partent dans tous les sens, donc ça sert à rien. La forme me plaisait, mais alors laisser tomber c'est pas possible. Et ça il faudrait plus grand, faudrait que je voie la taille des triangles là parce que ça fait des tout petits triangles quoi. Enfin, pourtant j'ai pas des seins énormes quoi, mais voilà. Donc c'est trop petit, donc je vais ramener ça. Ensuite, j'ai reçu des colis. J'ai reçu un colis de la part de Influence for Brand et de Garnier. Donc, c'est l'huile de monoï et de néroli pour les cheveux pour l'été. En fait, c'est une huile que vous pouvez mettre donc avant pour protéger, après pour nourrir et quotidiennement sur vos cheveux pour les réparer et les hydrater. Et ça sent, mais ça sent divinement bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poster un post sur mon Instagram pour que vous puissiez le gagner parce que j'en ai reçu un deuxième pour vous, voilà. Et du coup, franchement, c'est une tuerie, ça fait 150 ml, donc vous en avez largement pour tout l'été. C'est une huile en fait, mais ça sent hyper, hyper, hyper bon. Vachement bien, je suis surprise parce que ça sent extrêmement bon. Ensuite, j'ai reçu donc via Octoly donc ce duo-là de chez Sanoflore. Et vous savez, comme je suis fan des produits Sanoflore et de cette gamme-là, si vous avez des soucis de peau, les filles, des soucis de petits boutons, d'imperfections, de points noirs, etc. Achetez-vous cette gamme, c'est miraculeux, c'est bio et c'est des huiles essentielles et c'est juste génial. Alors ça, là, vous avez le soin pour le jour et vous avez la lotion. Et moi, je vous conseille aussi, si vous avez des problèmes, le sérum. Moi, j'ai la mousse aussi et franchement, c'est une gamme qui est juste génialissime. Enfin, franchement, si vous avez des problèmes de peau, enfin, vraiment, foncez, foncez, foncez. L'essence botanique. Et dans l'essence botanique, en fait, c'est... elle calme les inflammations, donc au niveau des boutons. L'oxydation du sébum qui favorise l'apparition des boutons. Ça sent la menthe.
C'est bio, il y a 9 huiles essentielles dedans et c'est pour tout type de peau, même les hommes. Et en fait, elle libère les impuretés, resserre les pores, oxygène et illumine le teint. Franchement, apparemment, c'est efficacité proche de l'acide glycolique. Donc, pour vous dire que ce sont des produits qui sont utilisés en dermato, et c'est vraiment, vraiment bien. Et ensuite, vous avez le soin quotidien hydratant. Donc, pareil, avec 9 huiles essentielles avec de la menthe poivrée et enrichie en glycérine pour hydrater la peau. Donc, en fait, elle est absorbante, elle matifie. Matifie peut-être pas assez pour moi, mais peut-être pour une peau juste bien mixte, ça devrait suffire. Et vous avez les ingrédients ici. Mais franchement, cette gamme-là, Sanoflore, c'est juste top. Ensuite, j'ai reçu des vêtements et des chaussures et des boucles d'oreilles de Rosegal. Et alors, je les trouve mimi, ces chaussures. Par contre, ça sentait très mauvais. Et il va falloir m'expliquer comment on ferme le bazar. Parce que moi, ça plus ça, j'ai pas compris quoi. Enfin, je comprends pas trop comment ils veulent fermer la chaussure. J'essaie de vous montrer avec 2 doigts. Mais si vous avez l'astuce, dites-moi parce que je dois être blonde, je ne sais pas. Je ne comprends pas comment ils peuvent fermer ça. Enfin bon, bref. Ensuite, les boucles d'oreilles, je vous les montre juste après. J'ai reçu un foulard. Alors, je pensais qu'il y avait bien plus de pompons que ça dessus. Et malheureusement, il n'y en a pas. Il n'y en a que 4. Et ensuite, je vous montrerai une... J'ai acheté une espèce de combinaison short. Bon, je vais tourner la caméra, je vais vous montrer. Alors, donc les boucles d'oreilles, c'est celles-ci. Donc elles sont jolies, ça va, ça passe, mais je me souviens même plus si j'ai commandé celles-là. Ça met le doute en fait, le look de la boucle d'oreille. Et en fait, j'ai reçu également ceci. Alors en fait, vous avez un voile devant et un short derrière, c'est très décolleté. Je ne sais pas comment je vais porter ça, c'est un peu bizarre au niveau de la taille. Je vous le mettrai porté de toute façon. Je suis un petit peu mitigée au niveau de la coupe en fait. Mais sinon au niveau de la couleur, c'est sympa. La qualité du tissu est pas mal. Donc à voir, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Je vais faire un gros rangement et du ménage dans ma maison. J'attendais un coup de fil pour un partenariat, mais apparemment on m'a oublié. Et c'est à peu près tout. J'ai un autre colis à ouvrir, mais ça je peux pas vous le montrer parce que c'est pas pour tout de suite pour vous en parler. Mais restez connectés parce que je vais peut-être avoir besoin de vous. Voilà, je vous en parle bientôt et c'est tout. Donc, hello tout le monde, nous sommes samedi. Je continue mon vlog parce que j'ai reçu beaucoup beaucoup de choses hier. J'ai l'entrée pleine de cartons. Et du coup, je voulais vous montrer ce que j'avais reçu, notamment des choses avec lesquelles je vais pouvoir vous faire des concours. Donc ça, c'est cool. Donc c'est pour ça que je voulais vous les montrer. Alors, on commence par la gamme Somatoline Cosmétique. Alors, en fait, ce sont des nouveaux produits, mais je pense que je vous en reparlerai par rapport à mon régime, par rapport au hula hoop que je fais. D'ailleurs, je vais vous montrer des résultats au bout de 6 jours. Je vous incrusterai la photo. C'est juste dingue ce truc. Donc, si vous en trouvez, n'hésitez pas à en prendre un parce que ça fait de l'effet rapidement. Donc, j'ai reçu l'huile, donc le spray huile minceur non gras absorption rapide use and go. Donc ça, vous pouvez le mettre le matin. C'est une huile qui pénètre très rapidement et qui a un effet amincissant. Mais bon, ça, de toute façon, je vous en dirai un petit peu plus tard. Amincit la silhouette et tonifie jusqu'à 36%, facile à utiliser. Donc je crois qu'on voit la pub en ce moment. Et il y a aussi le détox amincissant nuit Somatoline Cosmetics, donc ça j'avais vraiment vraiment envie de le tester. J'ai mon nez qui me chatouille. Ils disent amincir jusqu'à 2,9 cm en 15 nuits, donc ça m'intéresse. Je testerai et je vous dirai ça. Donc je pense qu'en complément de sport et d'un régime équilibré, je pense que ça peut faire la différence. Ensuite, j'ai reçu une petite trousse Garantia comme ça de la part d'Octoly également, avec à l'intérieur, donc le petit sac il est tout mimi, je trouve. Le petit sac seau comme ça. Vous avez donc une eau micellaire à la fleur d'oranger. J'adore cette odeur. J'adore les produits. En ce moment, je suis très Garantia et je trouve que leurs odeurs sont dingues. Ensuite, vous avez une petite crème de nuit. En fait, c'est un petit sac pour emmener avec vous partout pendant les vacances. Je trouve ça super pratique. Une crème de nuit, donc mille et une nuits anti-âge. Ensuite, une crème hydratante anti-âge 24 heures bonne mine. Donc comme ça aussi un petit échantillon. Un masque de nuit auto-bronzant. Donc ça, c'est juste top. C'est déstressant en plus. Donc ça, pour emmener en vacances, c'est juste génial. Ensuite,
Une crème pour le corps de combien de millilitres? 15 millilitres. Franchement, pour un week-end ou 3-4 jours, ça peut suffire. Donc, 3 en 1, ça gomme, ça nourrit et ça hydrate pendant 24 heures. Je suis en train de la tester, cette crème-là, parce que je l'ai reçue en grand format pour un autre projet. Je vous en parle très bientôt, mais c'est quelque chose de vachement bien. Et voilà, donc tout ça dans un petit sac seau. Donc vous avez le démaquillant, la crème de jour, la crème de nuit, un masque et une crème pour le corps. Donc c'est très complet. Je trouve que c'est une très bonne idée. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'information. Ensuite, j'ai été ravie aussi de recevoir cette box via Octoly aussi. C'est la Birchbox Special Kills. Alors ça, c'est juste génial. Vous avez un intérieur. Alors ça, je vais essayer de vous la faire gagner. Alors soit sur Facebook, soit sur Instagram. Je vous tiens au courant de toute façon. C'est une carte cadeau pour avoir 3 mois d'abonnement gratuit. En fait, c'est une carte pour 3 mois d'abonnement. Donc ça, vous l'avez dans la box. Ensuite, vous avez moins 20% sur tout le e-shop Kills avec un code perso. Ensuite, vous avez donc l'huile. Alors ça, c'est l'huile nettoyante botanique Midnight Recovery de Pils. Donc ça, c'est un format. Alors attendez, quel contenant c'est? C'est pas marqué. 40 millilitres, donc il y en a un bon format. Sachant le prix des produits Kills, vraiment, voilà, ça, je pense que c'est une box qui vaut le coup, même si elle coûte assez cher. Ce sont des produits qui coûtent cher, de toute façon. J'essaierai de vous faire la somme, voir rapport quantité-prix, si ça vaut le coup, mais à mon avis, oui. Ensuite, vous avez le aminoacide shampoo, donc avec de l'huile de coco à l'intérieur. Donc pareil, de chez Kiehl's, c'est une box exclusivement Kiehl's. Ça fait 65 millilitres. Ensuite, la Ultra Facial Cream. Donc ça, il faudra que je me renseigne ce que c'est. Mais j'ai vraiment hâte de tester. Il paraît que les produits Kiehl's sont juste dingues. Ensuite, le masque nettoyant. Donc là, on a un bon pot de 14 millilitres. Un petit échantillon de la Midnight Recovery Concentrate. Donc juste comme ça. Et ensuite, la crème pour le corps, The Original Rich Nourishing Cream. Voilà, donc en 30 millilitres. Et tout ça dans cette box. Donc je vous ferai le ratio prix avec l'abonnement, etc. Mais je pense que c'est une box qui vaut vraiment le coup. En ce moment, ils font pas mal de box particulières chez Birchbox. Et celle-là, la Kills, je trouve que c'est vachement bien parce que les produits Kills, il paraît qu'ils déchirent. Je vais les tester. Je vous en dirai des nouvelles dans mes produits terminés, je pense. Et ensuite, j'ai reçu de chez Essie, donc une trousse pour moi avec des nouveautés. En fait, ce sont des soins, des vernis à ongles soins, mais en même temps teintés. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de mettre de vernis par-dessus. Donc ça, c'est juste top. Donc, hop, ça s'appelle Tree Love and Color. Donc en fait, ce sont des fortifiants pour les ongles abîmés. Et en fait, c'est tout nouveau. Et vous avez deux couleurs. Vous avez la couleur Tempted Love et la Cheer to You. Donc vous avez un rose et un plus abricoté. Voilà. Et en fait, ça c'est traitant et en même temps c'est coloré. Ça vous fait des jolies mains pour l'été. Quand on a les mains bronzées, ces deux couleurs-là, c'est trop joli. Et moi, j'adore la marque Essie. Et vous avez une trousse pour vous. Donc restez connectés. Je vous mets le lien de mon Instagram dans la barre d'information. Et restez connectés parce que j'ai plein de concours qui arrivent. J'ai vraiment pris du retard dans les concours. D'ailleurs, il faut que je tire au sort pour le concours qui est passé et qui est terminé. Donc ça, il faut que je vous le fasse et je vous mets des nouveaux concours. Là, j'en ai trois à vous faire, donc deux ou trois. Donc restez connectés, ça va arriver avec des très très jolis lots. Donc voilà, c'en est terminé pour mon vlog de samedi. Donc le vlog sera en ligne demain. Aujourd'hui c'est week-end, donc pas de ravalement de façade. On va laisser la peau respirer. J'utilise une nouvelle routine en ce moment et j'ai hâte de vous en parler. Ah bah tiens. C'est mon mari, il est en train de mettre les spots. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard la semaine prochaine, je pense. Et donc voilà, donc on se retrouve dans le vlog de la semaine prochaine. Bye bye!